Et bonjour à tous, bienvenue dans ce GKplay. Écoutez, un GKplay un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'une deuxième prise, puisque celle il y a deux minutes ne fonctionnait pas. Le son du jeu désormais est réglé, nous avons réglé tous nos problèmes. Stoon n'a visiblement pas suffisamment fait le ménage. Ouais, il fait le ménage, il arrive. Mais donc du coup on va jouer à 4. Alors on parlait rapidement des horaires, si vous me permettez, je vais ouais, continuer sur ma lancée. Ça a été évoqué sur le chat. Ouais. Effectivement, on avait dit midi parce que c'était à l'origine le stream de Shoka, etc., etc. C'est vrai que nous au niveau horaire, c'est pas forcément ce qui est le plus évident. Et du coup, on a décidé de prendre une vraie pause repas plutôt que de faire ça pendant qu'on mange. Et on fera ça soit à 14h, soit quand ça nous prend en fait. En fait, voilà, il faut vraiment voir le GKplay comme quelque chose d'un petit peu sauvage. Nous, on voudrait ne pas s'imposer de limite d'horaire du tout, d'en faire le matin si ça nous chante, l'après-midi également. Donc, il faut pas forcément se pointer sur le live à midi en s'attendant à ce qu'il y ait toujours quelque chose. Il y aura régulièrement des choses le midi. Mais ce sera pas le rendez-vous GKplay, par exemple. C'est ça. De toute façon, l'horaire est indiqué en home, généralement. Là, c'est indiqué que c'est à 14h depuis 11h30 à peu près. C'est ça. Voilà. Et du coup, nous, ce qu'on fera, voilà, en échange, c'est qu'on va essayer. Alors, on va essayer cette semaine, ce sera pas possible la semaine prochaine, avec 11 demandes, ça va être un peu complexe également, mais on va faire le nécessaire. En gros, il va y avoir à terme un planning. Un planning vrai où on essaiera d'anticiper un petit peu ce qu'on veut vous proposer. C'est marrant, comme ça nous fait rire le terme planning, c'est un peu genre... Ouais. Non mais c'est les écrans Velleda... Qui pourraient être sujet à modification. Tout à fait. Et donc sur le chat, on nous parle du quatrième joueur. Enfin, rassurez-vous, en attendant Stoon, on va probablement mettre un bot. Si on peut mettre des bots, hein, c'est ça? Bah moi je pensais qu'on allait déjà présenter le jeu aux gens. Oui, bien sûr, Mais voilà, il y aura un quatrième joueur. Pour commencer... Il y aura un quatrième joueur quand il aura... D'ailleurs, quand tu auras fini de faire le ménage. Du coup, si Caro, est-ce que tu veux présenter le jeu? Puisque tu es celle qui a le plus joué pour l'instant. Eh bien écoute, Crawl, globalement, c'est un jeu dans lequel il y a 4 joueurs au maximum, mais sinon, ça peut se jouer à 2 aussi, même si c'est évidemment beaucoup moins sympa. C'est un jeu dans lequel, en fait, un des joueurs joue le héros, donc il doit traverser un donjon, et les 3 autres joueurs jouent les créatures du donjon, en fait. Le but, globalement, ça va être de tuer le héros pour prendre sa place, de réussir à survivre en tant que héros et de monter en niveau jusqu'au niveau 10, puis d'aller au portail, en fait, pour aller affronter le boss et tuer le boss. Ça a l'air tellement excellent. Et ça a l'air facile dit comme ça. Voilà. Alors, sachant que donc il y a la montée en niveau quand on est héros, quand on est créature, au départ, en fait, on choisit tous un dieu qui est en fait... qui va définir en fait le panel de créatures qu'on va avoir. Shoka, enfin des dieux quoi. Et quand tu gagnes des points d'XP en tant que monstre, tu peux faire évoluer ces créatures là en fait. D'accord, ok, très bien. Donc voilà, donc t'as 3 créatures de base qu'on te donne et qui dépendent du dieu que t'as choisi. Et ensuite bah tu les fais évoluer un peu comme tu veux, enfin tu choisis qui tu fais évoluer en fonction de l'expérience que tu as accumulée. D'accord. Sachant que, si on veut faire, si on veut monter par exemple un monstre à son niveau max, faut vraiment se focaliser dessus parce que les améliorations sont assez chères. D'accord. Pour l'instant, effectivement, le jeu n'est jouable qu'en local, mais c'est prévu à terme qu'il y ait du online. À terme, il y aura du online. Donc pour rappeler un petit peu, et c'est un jeu a priori qui vraiment est fandard, donc c'est pour ça qu'on vous le propose en GKplay aussi. On vous le propose en GKplay aussi parce que parce qu'il avait eu effectivement une couverture sur la chaîne de Shoka il y a quelques mois maintenant, mais on voulait aussi qu'il ait une couverture, qu'on puisse retrouver Crawl dans les lives GK. On s'est dit que c'était bien, même s'il est tombé en early access il y a maintenant quelques mois, lui refaire un petit coup de heads up dès qu'on avait le temps de le faire, quoi. Surtout qu'il y a eu une grosse mage et il y a un nouveau dieu depuis pas si longtemps. Bah nickel. Donc Je propose qu'on se lance sur une première partie à 3 avec un bot en attendant Stoon. Bah oui. Ok. Ah non, c'est l'inverse du coup. Hey. Attends, on va faire comme ça. On va faire style personne n'a vu que je m'en vais. Dit-il avant de faire tomber la moitié du matériel. Hop, alors. Je tiens à dire que c'est de la faute d'Hubert qui s'est barré avec la moitié du matériel. D'accord. Non, mais c'est souvent de la faute d'Hubert. Hein. Ce qui est relativement gênant. Forcément. Qu'est-ce que tu fais? Il met le jeu en plein écran. Ah. Mais sachant que là tu ne le vois pas parce que tu n'es pas dedans en fait, mais tu peux le recadrer à la fin. Serais-tu toi aussi un héritier de la famille Bonaldi? Ah oui, moi je suis. C'est un de mes, héros de l'enfance. Eh bien parfait. C'est d'une simplicité évangélique, vous allez voir.
Ok, alors, c'est toi je qui manette suis 1, donc... manette 1. Est-ce qu'il y a des choses à voir dans les options ou... Non. Ok, alors, c'est des options graphiques de base. J'aime beaucoup les petits effets de glitch pendant les... Oui. Les transitions. Alors voilà, maintenant, vous pouvez changer de nom si vous voulez, parce que là, vous portez tous mon nom. Alors moi, je suis joueur 2, en fait. C'est un peu D'accord. dérangeant. Ah. Un stun sauvage, sauvage apparaît. Ah bah, parfait. Et il fait des gestes obscènes avec sa casquette. Je serai donc... C'est pas vrai. Oui, tu ne peux avoir que 3 lettres, je suis désolé. Tu seras... D'accord. Tu seras go ou 4. Je serai go. Voilà, je serai go. Tant pis. Alors, attaque spéciale. Ça, j'aime voilà. bien les jeux comme ça. Tu n'as que 2 boutons. Donc. C'est parfait, allez-y, on s'en fout. Ok. Y en a pas. Et donc là, tu choisis en fait donc, le dieu auquel tu seras relié. Et donc. Qui va te donner les créatures que tu vas pouvoir jouer, et sinon bah tu te mets en random si t'es un peu un foufou. Et les autres à débloquer, c'est quoi, c'est en faisant des runs, en finissant le... Ouais. Eh bien moi, je suis un foufou. Alors tu je prends le random, random, qui me donne... Moi je vais prendre Maître Splinter Chien, voleur de... Maître Splinter Chien. Eh ben, pour avoir tous les dieux, je vais prendre Théoc. Très bien. Théoc. Comme ça on a un petit panel. Et alors qui joue le héros? C'est au hasard? Au départ c'est au hasard, oui, donc repérez bien votre couleur. Oups. C'est une couleur ça? Oups. Je pense qu'on va tirer dans tous les sens. Est-ce qu'il y a du friendly fire? Je pense qu'on peut appuyer non. sur A. Ah zut. Mais alors tu vas voir que heureusement. Parce que sinon. Toi t'as pas écouté les règles, tu les zappes quand elles réapparaissent quoi. Mais c'est le principe dans le jeu vidéo. Ok. Bien. Ah c'est moi donc le héros. C'est Exerve. Alors pour ceux qui sont en fantôme, vous voyez des espèces de petites moi, je boules suis là. Orange. Des petites boules? Oh là là. Des espèces de petites boules de là. Ça, ça sert à accumuler de la vie pour pouvoir. S'incarner. Avoir des blobs en fait. Non. Et là, les pentacles au sol, ça sert à s'incarner. Oh, je suis la petite fille! Oh, j'ai une roulade. Je suis la petite fille qui non, mais je suis quoi là? Je suis quoi? Je suis en verre solitaire. Tu es une limace de merde. Qu'est-ce qu'il y a? Pas le problème. Alors, le problème, c'est qu'on sait absolument pas quelle est la nature de nos pouvoirs. Eh bien, tu appuies sur A, tu appuies sur B. Et moi, je suis ridicule quoi, regarde. C'est toi qui as l'espèce de petite fille? Oui, j'ai la petite fille qui alors, se pense qui. En fait, c'est la The petite Ring. Fille, c'est Sanako. Je clignote comme un néon de tuning. T'as un bouton en fait pour activer l'espèce de luciole qui est derrière elle, mais qui là ne fait pas de dégâts. Et en fait, le truc avec elle, c'est qu'il faut que tu tournes autour du héros tout en redéclenchant ce truc là. D'accord. Pour lui faire des dégâts. Là, de toute façon, je suis presque mouru. Moi, j'ai des pièges oh là et. Je me suis bien fait fesser. J'en reste toutes les patates pour la peine. Non mais sans déconner, j'étais un teigneur. Alors, les, non, mais... les commentaires sur le chat à base de 256 couleurs, merci, on a vu. Hein. Hop, et là je peux faire pop un blob. Et maintenant, ah oui, alors nouveauté de la mage, on peut s'incarner dans les blobs. Évidemment, je n'ai pas le temps de le faire pour le montrer. Alors c'est pas Gotos le verre solitaire, hein, c'est Stoon. Oui, c'est moi. Ça me va assez bien. Ça correspond assez bien. Y'a moyen de s'incarner quelque part ou comment ça se passe? C'est uniquement quand t'as des... alors soit quand il y a donc les pentacles au sol, soit quand t'as fait spawner un blob, tu peux devenir le blob. Ok. Soit t'as certaines pièces dans lesquelles t'as des pièges comme ici là, tu vois, tu peux t'en mettre dans les pièges. D'accord. Ah ouais, bien vu. D'accord. Ouf. Ah ah. Ouais. Voilà. What peux... Ah là tu vas manger, là tu vas manger, là tu fais moins le malin. Alors, tout à l'heure sachant c'était une limace. Donc le héros ne peut pas quitter la pièce tant qu'il y a alors, encore un monstre là. Dedans. Ah tu vois, là comme on était que dans des pièges, ouais, il on pouvait parfaitement te barrer. Alors que si on a... un était devenu en fantôme et avait fait comment pop un de ses blobs. Ouais. Ça aurait fermé les portes. Je peux pas récupérer de la d'accord. vie. D'accord. Ah bah non. Enfin, si, y a de la vie à quelques endroits. Mais... Je suis le rat mutant. Je me suis bien fait carotte. Mais... Ah, oh, le... ah bah c'est bon. Ah la vache, comment t'as égorgé? Humanity regain. Alors il y a des roulades. Donc maintenant, Caro, c'est quoi, tu es le tir, je suis le héros. Alors du coup, réexplique-moi. C'est comment je fais pour avoir un personnage, moi? Faut que tu trouves un... Là, il n'y a pas de pentacle au sol, donc tu peux te mettre que dans un piège. Ouais. S'il y en a encore un. Moi, libre, j'ai un piège bien fourri là parce que je. Je tire des zones 2. Je tire des zones 2. Non mais regarde. Y'a pas de musique? Si mais en fait là on n'entend pas nous parce qu'on a pas beaucoup de trucs. Ah d'accord, désolé. Mais y'a de la musique. Le mec a une angoisse. La musique s'il vous plaît, la musique. Ah oui, hop là, je vais prendre le raccourci. Non mais Carole connaît tout, c'est pour ça qu'on se fait bien Carole. Non mais c'est parce qu'il y a la boutique. Mais alors, j'ai les moyens de rien acheter là, mais c'est pour vous montrer qu'il y a une boutique. D'accord. Ça est-ce que tu peux complètement excellent. Est-ce que tu peux carotter Hubert qui nous donc, rejoint dans la boutique en fait, t'as deux types de d'objets. Cool. T'as les vraies armes et tout ce qui est potions. D'accord. Et en fait ça là, c'est des sorts. Et ouais. En fait les sorts en général, ça remplace ton deuxième bouton, qui est ton bouton de dash. Donc il faut le savoir. Oui, d'accord, très bien. Est-ce que tu peux comme dans Zelda carotter dans le magasin?
Carotté de, à la manière de Carota. Ouais. Attention. T'es oh là là, ah oui d'accord, c'est pas mal ça. Ah oui. Tiens. Ah ce pouvoir, oui, il est, enfin le piège là. Ce il est... piège ah, là, il est bien. Petite collision un peu malheureuse. Eh oh, d'où t'as récupéré ta vie? Je crois que j'ai chopé un truc. Mais t'es fait chier à te... Bon, moi pendant ce temps-là, je tourne, hein. J'ai fait peur. Moi, pendant mais non, mais ramasse des boules pour pouvoir avoir des je tire des lignes de piquet qui n'intéressent personne. Mais là, tu peux faire... Ça a pas un vrai nom, c'est... trois blobs, là, déjà. Ça a pas un vrai nom, les boules. Ah, ouais. Et tu peux t'incarner dedans. Ouais, mais bon, le blob... Ah, bah, le blob, il sait. En fait, non, mais attends, blob... t'as vu la carotte de carreau? Tu peux yes t'incarner en blob, je m'incarne et me défonce quoi. Genre. Non, mais alors en fait, s'incarner alors, en c'est blob. C'est moi le héros maintenant. Ça sert surtout à pouvoir fermer les portes quand les autres sont dans des pièges. Mm-hmm. Ouais, ok. Il aime les fait violer. C'est surtout pour empêcher le héros de sortir hop, les blobs. Ok. Parce que sinon, oui, au niveau de la vie, c'est pas. C'est pas fini. Y'a moyen de looter des choses ou vaut mieux que je me casse en fait? En fait, vaut mieux que tu te casses. Ouais, ah, je suis un piège! Hop, 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 j'ai sauté dedans comme un abruti! Non, je reste pas là. Il y a un endroit où on peut s'incarner? Y a-t-il du loot? Peut-on looter de l'élite? C'est une pièce dans laquelle on est déjà passé, ça. Qu'est-ce que je... Ah, d'accord! Mais là, alors, tu peux, au niveau du. Tu vois, du mec là. Ouais. Tu peux sacrifier ce que t'as récupéré en sang, donc là t'en as pas mal, t'en as d'accord, 48. 48 okay. Et il va te donner de l'argent en fait. Le gros monsieur oh, rebondissant. Le gros monsieur rebondissant? Le monsieur bien, rebondissant. Je vais faire ça. D'accord. Donc là voilà, tu récupères un je peu récupère du flouze. Du flouze des pépettes. Avec et lequel là, je vais pouvoir m'acheter un surin. Tu peux t'acheter un surin si tu veux. Oh la traduction littérale quoi. Eh oui. Actuellement j'ai ce que j'ai. Non, 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 non. Ok d'accord. Ah oui, faut être rapide. Non, 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 non. Hop, 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 ça a l'air nul ici. Ouais, mais je t'ai fermé la porte. Et du coup, faut faire quoi maintenant? Il faut que tu tues le blob pour pouvoir. En fait, le but c'est que tu trouves le portail qui permet d'accéder au boss, mais comme. Cool. Tu n'as. Enfin. Ah non, là il te faut les escaliers parce que t'es pas niveau 10. Je me casse. Là, tu vois. Non, mais regarde la porte en bas, tu vois l'espèce de truc là, c'est les escaliers. Ah ah. Et nous changeons de niveau. Et on change de niveau. Et donc, à chaque fois que tu termines un niveau. C'est là qu'on va avoir avec la vitae qu'on a en bas, on va avoir la possibilité de faire. Voilà. Moi j'ai servi à rien, je me suis bien fait carotte. De faire. Bah non, parce que regarde, du coup, t'as récupéré vitae. Plein de vitae en fait. Et donc tu vas pouvoir faire plus évoluer tes monstres. Ah ouais. Et oui. La vitae. J'hésite entre. Non, je vais pas prendre la limace parce qu'elle est particulièrement. Moi, je choisis. Ah, il y a des nouvelles améliorations, je vais faire évoluer ma limace en gros poisson moche. Ah, on peut un peu améliorer le. Eh oui. Ah, Evolve. Tu connais, c'est un jeu... C'est quoi le mieux? C'est la carpe qui a des dents ou... Alors, je sais pas, parce que la carpe est nouvelle et je ne l'ai pas... Franchement, elle a quand même des grosses dents. La carpe, elle, ouais, mais elle vaut moins cher. Elle vaut moins cher, donc c'est peut-être une arnaque, tu vois. Mais tout ça, tu vois, ça c'est la logique de parce que c'est cher, c'est mieux. Ah ouais. Je suis désolé. Ressort ton iPhone. Jette-le. Ce n'est pas de iPhone. Suite. Alors, comment ça se passe sur le chat? Ça parle de PES. Allez, je vais prendre non, le poisson. Alors, et ça se moque un petit peu des pixels du jeu. Le poisson, hop, je peux le faire évoluer en moine? Oui. Je cherche pas. T'as fait évoluer le poisson en moine? Eh ouais. Ouah, ça vaut la peau des fesses après. On dirait un camoulox. Ouais, c'est pour ça que je dis, tu vois, quand tu veux faire évoluer qu'un seul. Faut pas trop faire évoluer les autres parce que c'est super cher. Ah, il semblerait que le. Non, ça n'a pas craché. C'est Dark Ubik, un souci. Alex Flex aussi. Hein. Revenu. D'accord. Ouais, non, ça non, a été rapide. C'est Daily. Daily Motion. Alors par contre, oui, plus tu restes dans les pièces, oh là plus là, tu nous permets de récupérer des blobs. Hein. Et je vais, oh là, je dérouler le poisson. Alors attends. Attends, je cherche le mes pouvoirs. Ok, je peux me ok, Stone, alors... C'est toi le poisson? Le poisson est super lent, en fait. Il est super mauvais, surtout. Il est super lent, le poisson. Bah, il coûtait moins cher. Ouais. C'est vrai, j'en ai dû me méfier. Ma curiosité, tu vois. Attends, mais le squelette... Ah si, il a quand même une attaque en plus. Mais stop me fumer là, oh! Stop me fumer! C'est le but du jeu un petit peu. Laisse-moi lancer des bouboules! Non mais je veux bien être la cible de. Boah! Oh ce run! Il a plus de vie là, faut le fumer! Merde, 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 il y a encore des blobs! Ah, c'est excellent le principe de blob, hein. Vraiment. Le malin là. Ouais, les blobs ça fout bien la merde. Je me casse, je me casse, je me casse, je me casse! Non! Non mais garde-le, garde-le, garde-le! Allez! Oh non! T'es vénère! Oh, c'est vrai que je suis un peu vénère. Comment on fait voilà. C'est toi encore qui joue le héros du coup. Non, c'était une très mauvaise idée. Oui, parce qu'en fait, celui qui joue le héros, bah, c'est celui qui tue le. Ah, comme dans Highlander. Tu tues le bonhomme. Ne pas rester calme.
ça ne voulait rien dire. Absolument rien. Comme j'ai tué le bonhomme. Mais j'ai augmenté mon truc à fond et je tombe sur le rat, quoi. Bon là là, l'archer squelette, comment il défonce. Je voulais avoir le moine. Le moine. Mais le rat, elles sont pourries ces attaques. C'est parce qu'il est complètement. Ah non, mais. Tiens, prends du jaune d'œuf. On va faire une petite maillot. N'est-ce pas un peu lâche de frapper le squelette? Écoute, déjà il est un peu méchant ce squelette. Ah, j'ai pris cher. Ah, ça tombe bien le petit marchand. Il y a les sous-sous là. Sous-sous dans la popoche. Ah, totalement dans la popoche. Alors. On dit que vous ne faites pas suffisamment de roulades. Hein. Ouais, non, c'est vrai qu'on est un peu, low au niveau des roulades. Ah, c'est bien ça. Il faudrait aller à la Yamato Way of Life School. C'est clair. Faire des roulades. Ouais, alors ce qu'il faut savoir, si y en a qui peuvent jouer tout seul avec des avec des bottes, c'est que les bottes dans les boutiques ils tracent mais tellement. Oh, le moine il tue que... Oh là là. Le moine il tue. Non mais je fais caca de la glace de la fraise. Hein. Alors pour rappel, alors on va éviter de parler de. Pour rappel, pour les gens du chat, si vous avez une question pour laquelle vous voulez une réponse vis-à-vis du jeu, parce que là on a du mal à se focusser, mettez un bon gros highlight sur Game Cult Live. Oui, voilà. Ah putain. De manière à ce qu'on puisse pas vous rater. Et en plus, tu récupères mon. J'ai récupéré les boboules. Les boboules. T'as récupéré mon XP en plus. Ah ah. Je me suis fait arnaquer. Les boboules et la boubouche. Et bim! Alors tu vois, une fois que tu l'as déjà trouvé, au niveau des portes, ça t'indique où est la boutique. Sachant que donc les espèces de temples là qui sont sur les murs, c'est le raccourci pour la boutique. Mais il faut payer 5 de 100. Alors en fantôme. Non, alors c'est pas qu'à chaque pièce on redevient fantôme, c'est que quand notre monstre est mort, on redevient un fantôme. Ah voilà. Oui, on est un fantôme de base en fait. Voilà, et on peut faire apparaître des bouboules. Mais là pour le coup, le but du niveau c'est quoi? Où s'incarner? Il faut qu'il trouve En fait, faut que t'arrives à monter jusqu'au niveau 10. Et nous, pour pouvoir ouvrir le truc du boss. Les fumées. Donc là, il faut que tu passes au. Putain. Là par exemple, pour explication pour les gens qui ne comprennent pas. Des roulades mais attends, pour les poisson il peut faire du. S'il reste un fantôme, c'est parce qu'il n'a pas trouvé de pentacle pour s'incarner. Il peut faire de la vomissade, c'est bien ça. Ah, de la vomissade, elle est très jolie cette vomissade. Très jolie hein, t'as vu, j'ai l'impression que c'est l'arbre de talent, enfin l'arbre d'évolution. Dans la version finale, y aura-t-il plus de pièces niveau boss? Alors pour l'instant, oui, il n'y a qu'un seul boss. Mais alors je ne sais plus, mais je crois qu'il était question qu'il y ait un autre. Bah, c'était moi le chien, là, mais j'ai pas réussi. C'est un rat, non? Allez! Oh non! Pas l'araignée! Et si je décide de m'incarner dans ma bouboule, voilà ce qui se passe. Ah, on fait moins le malin quand je lâche, hein. Bah. Attends, on peut le jeu que tu vas prendre. Ah bah non! Si. Oh bah pas cool. Je le ralentis, là. Ok, d'accord, ça n'aura pas duré très longtemps. Bouboule. Voilà. Comment on fait pour utiliser le. M'incarner dans ma bouboule. Pour utiliser le Eh bien. C'est qu'il a déjà dû être utilisé. Ah, bah, les bouboules, c'est pas super. Ah, non, c'est parce qu'il y avait des monstres. Oh non. Tu vas à la boutique alors que t'avais la fin du niveau. Parce qu'après, tu reviens pas au raccourci. Ah ouais. Pourquoi tu vous... dois reparcourir le niveau. Pourquoi et on vous va vous taper entre vous en fait. Alors, on ne se tape pas entre nous, c'est juste que c'est très. C'est très le bordel. Il n'y a pas de friendly fire entre les monstres. Voilà, les trois monstres sont censés arrêter le héros. Ils sont copains. Qui a un look de héros. Bon, ils vendent pas des vraies armes là. Ah bah, c'est la boutique du niveau 2 hein. T'as testé Call of Hier, c'est bon, ça suffit. Y'a pas une calache là? Non ouais, mais sinon tu prendre, peux... Je vais prendre la dague. La petite daguinette. La bonne daguinette. Ah! Il trace jusqu'aux escaliers le solo. Il est fort, il est très fort. Il est très fort. Ah, il est trop fort. Et je fais des roulades en plus, hein. Juste pour le chat. Ah, il y avait un coffre. Oh, le bout. Ah bah voilà. Voilà ce qui s'est passé. Est-ce que c'est répétitif ou est-ce que l'alerte permet que ça soit bien foutu? Après, comme c'est un jeu bah, à jouer après, à plusieurs... Après, comme, voilà, comme tu joues à plusieurs... Je pense que l'aléatoire, c'est surtout dans les conneries que tu te balances sur le canapé. Ouais. Ah, comme souvent 25. Dans ces jeux-là. Ah ouais, non, je vais faire monter le rat. Mais on va voir ce sont... Ah, attends, le niveau 2 du rat, c'est un tauren, ça? À mon avis, on va vite le sentir si c'est... Alors, si c'est là, il est archer, mais alors... Il me semble que c'est juste après, t'as l'évolution du même avec une hache. Ouais, regardez-moi ce petit mani calavera que je matérialise sous vos yeux ébahis. Ah.
On y revient tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une boussole dans la poignée? Après, le point d'arc. La boussole dans la poignée vous sera très utile. Voici le point Grim Fandango. Exactement. Du coup, il y a un héros et trois méchants, du début à la fin. Oui. Exactement. Oui, et le méchant qui bute le héros devient le héros. Voilà. Et oui. Mais du coup, quand on va arriver au boss, vous allez voir la tronche du truc. C'est un peu une aventure dont tu deviens le héros. Oh! Il est fort. Il est fort, le bougre. Mais donc oui, on a l'impression que c'est du 3 contre 1, mais en fait c'est du chacun pour sa gueule. Hein. Ah ouais. Après, quand t'es à 3, vaut mieux jouer un peu en équipe quand même, pour pouvoir... Que je sois incarné, nom de... Et boule. Oh là là, non, non. Je suis où Ah, le petit démon, là. C'est moi. Mais où est-ce que je suis? C'est une vraie question. Yes. Oh genre, je suis mort. Je crois que je l'ai eu. Non, c'est moi. Humanity Regain. Y'a pas un piège pour 5 Bouboule. Mais stop, carotter les. Et qui me transforme en putain de grenouille? Mais transforme en grenouille, je suis vénère. Stop. C'est excellent. Stop, carotter les pommes de terre. Allez, tiens, je suis grenouille. Ah non. Tu te fais doser, hein. Oh putain. Là, la grenouille, là, tiens. Ah non. Allez. Mais non. Allez, tue-le. Mais c'est nouveau ce truc, mais. Là. Ah putain. Non. Oh, comme elle se venge. Oh non, elle se venge. Oh là là, les personnes âgées, quoi. Ça sent le seum. Le seum est fort. Le seum est fort. Ah, sa famille. Attention. Non, il faut tout détruire les cristaux. Pourquoi je veux pas faire apparaître de boucle? Non, prends. J'ai pas le droit. Si, j'ai le droit. Mais non, c'est parce qu'il... Oh putain, la vache. Putain, j'ai fait aucune concession. J'ai dépensé sans compter. Oh là là. Enfin, tac. Oh non, mais sans déconner, je me tape le squelette alors que ah, merde, ma boue. J'aurais pu avoir le moine poisson ou le... Ah moine poisson. Oui. Ou le tauren archer. Comment ça? Ça devait être Manu Calavera, c'est un rat. C'est... Putain. C'est Manu le rat. C'est Manu le rat. Comment je suis dingue. Bon allez, elle va crever avec un rouet. Elle a plus de vie. Ah ouais, non là. Je me fais... Voilà. Bien joué. Go. Et alors, du coup, ce qui est bien, c'est que tu vois, c'est le suivant qui récupère l'XP de la mort. Lui. Ah bah bravo. Voilà. Ah, du coup, tu peux le laisser un peu, genre, fric, c'est pour toi et. Check un peu la roulade, bim. Y'a de. Ouais. Oh là là, la dose. Ce héros d'une surpuissance sans nom. Non. Ah, oui. Yes. J'ai le tauren avec Sash. C'est pas du tout ce que j'avais prévu. Tiens, tu vas manger. Oh la vache! Oh le combo! Ah ouais, non, mais c'est le catcheur que j'ai. D'accord, j'ai ah oui, non, mais en plus, lui, j'ai marché dans le vomito. Je sais plus où je suis, Ah ouais, mais la charge elle est sur. La roulade ne marche pas dans le vomito. Je suis très décontenancé. Ah, tu m'as un peu décontenancé par contre. Tu fais pas tout avec la petite veille. Hein. Bah, et pourquoi pas? Bah, non, mais. Non. Ok, ok, tiens mamie. Ouch. Voilà. Ok, ça rush sur l'escalier, d'accord, on voit. Bien. Effectivement, il y avait des gens qui faisaient de la vaisselle pendant qu'on jouait à Dragon Age. C'est comme ça. De la vaisselle. Et bah ouais, il y a le squelette. Ah, l'autre est bloqué à droite. Ah, je peux pas encore devenir petit chapeau. Oh, on dirait Death Adder. Trop cool. Ouais, on va en parler de Golden Axe. Donc tu vois là, après si j'ai 50, je peux avoir un dragon. Il est bien le... Comme ça. Le mage squelette, il est comme bien ça, ou pas? Un dragon. Au calme, comme on dit. J'ai pas encore essayé. Le mage squelette est pas mal, je crois, oui. Parce que sinon, il y a l'archer rouge. Il a l'air un peu plus... Honnêtement, l'archer, c'est vraiment un con. D'accord. J'ai essayé tout à l'heure, c'est un gros con. Il s'appelle... Régis. Ah, et il y a un scorpion aussi. Les scorpions me tentent bien. Je veux de l'argent. Donc oui, il y a aussi la possibilité de continuer à level up dans le niveau plutôt que de se tirer directement si tu sens que ah bah t'as un peu, tu te sens un peu physique. Un peu limite. Sauf que, évidemment, plus tu vas rester longtemps et plus tu risques de te trouver dans une salle où tu vas te faire fumer. Et salement en plus. Mm-hmm. Évidemment. Du coup, tu vois, là t'aurais pu aller à la boutique par exemple si t'avais un raccourci. Hop là. Ah bah oui, mais si moi on me dit pas aussi là. Putain, la vache. Vous êtes beaucoup, hein. Je suis bloqué. Ah, je crois que c'est moi là. Yes. Hop là, la petite charge. On va doser. En tout cas, ça marche super bien. Enfin, il y a que deux boutons, tu vois, pour les. Ouais, les Ah, les roulades. Hop là, ah bah oui, mais tu remets, peux pas dans la toile d'araignée. Voilà, de la bonne toile là. J'aimerais bien faire quelque chose. Ah, mais en plus, tu les jettes les toiles d'araignée, quoi. Bah oui, parce que j'ai fait évoluer mon araignée.
Alors je dois dire qu'effectivement, à 4, il y a toujours le fantôme qui s'emmerde. Bah, le fantôme, ouais. Bah, tu peux prendre des blobs, mec. Hein. Bah ouais, je fais que ça. C'est ça, en fait. J'attrape des blobs. Faut que tu blobes. Ouais, mais moi, je peux pas blober... Enfin, t'as vu la vitesse à laquelle ils se font défoncer, les blobs. Mais alors, justement, tu vois, quand les autres sont en train de se battre, en fait... Profite-en, mets-toi loin, et moi, je... Voilà, faut que tu profites qu'il y ait de la baston avec d'autres. Fume-le là, fume-le. Ah, un peu comme ça, ok, je commence à voir. Un peu un genre de. Ah merde! Tu vois, tu profites un peu. Je commence à voir la valeur du blob. Ah, tu vois. Comment tu fais pour avoir un blob? Tu t'appuies sur B. Faut que tu ramasses les pommes de terre. Mais il faut que t'en aies. Là, t'en as pas. Faut ramasser les pommes de terre, c'est tout. Faut ramasser les pommes de terre, en effet. Mais c'est vrai. Voilà, donc là, tu vois. Ah, et tu peux te mettre dedans. N'importe qui peut se mettre dedans. Il y a des trucs des fois dans les. Parfois oui, caisses. Mais pas beaucoup en fait. En fait, c'est pas la peine de blober dans cette pièce dans la mesure où il n'y a pas de monstre incarné. Voilà, oh, ou piège. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est quoi? Oh, ça trace là, ça trace, j'aime pas trop. Qui je suis? Ah, je sais qu'il y a la gamine de. C'est moi! C'est moi! Oh non, je suis un crapaud! Mais c'est horrible ce truc là. Non mais. Yes! J'avoue, le crapaud. Y a rien de pire dans les jeux que de se faire. Est-ce que le level du héros a un impact sur les stats ou c'est juste pour verrouiller l'objectif? Je crois que c'est juste pour le. Oui, mais d'ailleurs, je fais un peu de violer là. Ah, mais j'ai ça, ouais, je peux. Oh. Non, mais. Les bouboules. C'était un jeu. Le mec, il a un perso pour aller au calme. Ah! Je me fais focus et il fait rien. Go to. Mais je suis mort, moi. Pas à quoi ah bon, ah bon. Qui tu parles. Ça sert à rien que j'aille. J'ai pas gagné d'argent là avec tout ça. Bah si, t'as 207. T'as 200, ouais. Ouais. Ah si, là tu vas pouvoir t'acheter des trucs un peu fancy. Alors on va aller regarder tout ça. Alors il y en a qui demandent s'il y a du online. Pour l'instant non, mais à terme oui, il y en aura. Magic Spear, Hyper Dash. Récupère de la thune avant. Il y a moyen genre de boubou. Tu demandes à Monsieur Rebondissant. Il y a moyen de boubou et de l'attaquer pendant qu'il est en train de faire ses emplettes. Non, comme un gros enfoiré. Tu ne peux pas lâcher de blob dans le shop. Par contre, plus il passe de temps dans le shop à faire tu vois, ses petites emplettes, plus tu récupères des trucs pour avoir des blobs. Ah, ça c'est bien pensé. Donc tu vois. Et c'est pour ça que quand tu joues avec des bots, les bots tracent, mais tellement que t'as même pas le temps de lire une seule description. Ouais, d'accord. Allez. Gamecult Live, est-ce que c'est de la bonne bande-son ou est-ce que c'est classique? Caroline, le point OST. Y a qu'un seul morceau pour l'instant en fait. Et c'est bien parce que j'ai tourné la tête comme ça, je me fais défoncer. Ouais. T'as vu? C'est de la stratégie. Ouais, non, je vois ça. Vas-y, enfermez-la. Attends là. On parlera OST plus tard. Là, ça m'a l'air. Et pour l'instant, il y a qu'un seul morceau, il est cool et très stressant. C'est trop stylé, tu le traces en plus. Cool et très stressant. Regarde l'espèce de pétrole que tu lâches. Ouais, c'est génial. Une fois que tu le lances, si tu fais bouger ton stick, tu. C'est toi qui dessines le truc. Ah, oh, ouais. Trop bien. Comme dans Mario. C'est sûr, putain. C'est référent. Ah. Oh là là. Allez, viens t'enfoncer dans les. Je m'ai fait défoncer. Ah, je prends là par contre. Yes. C'est pas facile ça. J'ai beau être matinal, j'aimerais. Et là vas-y, y'a moyen là, avec un tir croisé là. Ça ramasse de la bouboule, tranquillou. Ouais, y'a moyen de le boubouliser. Ah, j'ai pas la portée. Tel babouliné. Rendez-moi de la vie. Non. Nope. Ah, il a plus rien là, je suis dégueulasse. Ah, t'es en train de pisser le sang partout, c'est dégueulasse. Un peu de tenue. Là. Oh, et il fuit tel un. Alors, par contre, quand tu commences le niveau suivant, ta vie remonte pas. Hein. Ah merde, donc, c'était bien tenté, mais. Merci à Shoka pour vous avoir fait découvrir ces jeux. Alors, non, dans la mesure où on suit le développement depuis un bout de temps, quand même, Shoka et nous. C'est notre travail aussi, en fait. Oh, je peux avoir l'homme. Je sais pas. J'ai passé pour avoir le drone. Il a quoi dans le dos, là? C'est des. Oh, des sadeurs. Le scorpion qui fait peur. J'espère mais ceux qui valent 50, ils sont arrivés. Ouais, oui. Il y a un espèce de Cthulhu sur l'arbre du poisson là. Ah le dragon. Je vais prendre cette petite sur le chat. Mais t'as pas pris le dragon là. Sur le chat, TCTOF parle de Blaze Rush et on devrait y jouer bientôt. Ce soir. Yeah. Oui, ce soir. Ce soir on fait. Aujourd'hui c'est journée coop en fait. Ouais. C'est journée bagarre. Tu peux, la semaine étant marquée par la sortie de Call of, y a pas bien de gros jeu qui sort. Les levels du héros ont un impact sur ses stats ou c'est juste pour verrouiller l'objectif?
demande DL. Mais on a déjà répondu parce qu'il a déjà posé la question en fait. Mais je crois qu'il n'écoute pas la réponse et qu'il pose la question en boucle. Il était peut-être pas là. Il n'est pas attentif. Il était peut-être pas arrivé au moment où il a posé la question. Ça sert pour l'objectif. Si, si, ça sert pour l'objectif. Les. Comment. Voilà. C'est défini par les armes. Attendez, pourquoi je me suis fait cancel? Ah non, d'accord. Je pensais avoir des sadders, mais en fait, j'ai pas. Ah bah voilà. Ouais, pour être surprenant. Bien sûr. Ah putain. Attention, c'est piège. Je suis le shuriken sur roulette. Ah, c'est moi, d'accord. Allez, poussez le bateau, je voilà. Ah, tu veux venir par la porte hein. Allez, bim. Ah, j'ai raté mes boucles. A plus tard, le. Ah Uber. Ok, donc le scorpion fait du jus. La roulade. Ah, et j'ai le mal, scorpion là. Fait le dard du scorpion. Wouah! Ah ouais, genre c'est la. Excusez-moi, je vais tout dessus. Et ce n'est même pas ma forme finale. Mais c'est pour ça, j'ai trop hâte de débloquer le cul. Tiens, voilà! Le gros bord. Nextez-moi ça, comme dirait l'autre. Pour citer un certain Yamato. Allez, les blobs, ils sont vachement puissants en fait! Bah, en fait, surtout c'est bien quand je marche quand dans c'est la bouillasse. En fait. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est possible de jouer à plusieurs sur un même clavier, nous demande-t-on? Mais on ne joue pas au clavier. Là, on joue tous avec nos propres manettes, en fait. Mais ça doit être possible de jouer au clavier. Si ton clavier supporte plus de 3 touches appuyées en même temps, ça devrait être. Ah là là, t'es niveau 10, donc tu peux y aller. Allez, parti le boss. Est-ce que genre, il est déjà niveau 10, quoi. Est-ce que ça me fait remonter ma vie, genre à la cool ou pas? Bah, et le point OST, que tu n'as pas fait tout à l'heure. Caroline, ah, il n'y a qu'une musique. Il n'y a qu'un seul morceau, qui est très stressant, plutôt cool, et je sais pas s'il y en aura plusieurs après, je suppose que oui. D'accord. Allez, go. C'était le point OST. Voilà. Et donc en fait, tu peux rentrer 3 fois dans le. Si là, tu perds. Tu. 3 essais. Il y a encore. Non, ça veut dire que le portail existe encore 2 fois. C'est pas forcément toi qui va passer par le portail. Ok, d'accord. Et après, sinon, bah. Le mal a triomphe. Il y a du loot là, il y a du loot. Non, il faut que tu passes par là. Zut. Ah bah, on est bien d'accord que les 4 manettes, c'est pas évident. Hein, mais... Donc là, on va jouer chacun une partie. C'est typique aussi. Oui, voilà. Et chacun choisit. Alors. Oui, il est pas gentil. Sachant que les deux bras ne font pas la même chose. Ah bah, je vais prendre. Ok, bon esprit les mecs. Voilà, directement. Ah bah. Incompréhensible. Et donc, en gros, toi, faut que tu tapes ouais, dans il faut le. Faut que je tape machin, dans les trucs explosifs là. Voilà. voilà, bien sûr, tout le monde a compris. Le gerbe atomique là. Ok. C'est très très drôle. Bim. Ah, mais non. Donc là, faut que tu tapes voilà, le roi de Dongo, tu vois le roi de Dongo? Ah non, c'est juste ok, le pattern du boss. Ok. Voilà. Et en fait, c'est vous qui contrôlez les différents oui. membres bizarres. On a chacun un membre. Je suis la tentacule qui sert des. Je suis la tentacule qui fait du vomi. Même bien. Le plan de carrière. Je suis la tentacule qui fait du vomi. Oh non, voilà. Je suis mort comme une brêle. Allumé à coup de vomi. Et là, tu peux retenter. Non, là, celui-là, c'est mort. Ah d'accord. Et ouais, puis je suis en train de pisser le sang sur bah, le, oui. sur le non, parquet. Non, mais quoi. C'est pas toi qui repassera oh, par là. Nickel. Moine de poisson. Yes. Ça ferait une jolie chanson, le film Moine de poisson. Je mets cette chanson. Oh. Exactement. Bouboule. Oui, ça me fait très plaisir. Magnifique morceau. Petite mélopée. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas d'indicateur sur le temps d'invoque de ton. Soit de ton lancer, soit de ton style, tu vois. Oui, effectivement. T'es un peu en train de. Sachant de bourrer. Mais alors, ça, je pense que. Sachant du coup, moi, je peux y aller ou pas au boss? Il y a des manières très faciles de bah, matérialiser oui, un oui, cooldown. Oui, t'es niveau 10, donc tu peux y aller, mais sauf que. Comme le portail de cet étage-là est pété. Ah oui, d'accord, c'est mort. C'est un seul portail par étage. Un portage par étage. Ouais, d'accord. Portail par étage. Un portage par étage. Tout à fait. Donc là, okay, tu vois, t'as les escaliers qui sont en bas. Ah bah, sinon t'as vu. Il est blindé de thunes. Et donc, ouais, les pouvoirs que tu chopes à gauche, ça va remplacer ton truc secondaire. Moi, des fois, je joue ou pas le héros. Donc, tu pourras plus faire de roulade. Stone, il a pas encore été. Ouais, mais si, c'est parce que t'es mauvais en fait. C'est peut-être pour ça, non? Ouais, mais du coup, il a plein d'argent. Enfin, moins que moi déjà. Parce que je suis pas allé à la boutique la dernière fois. Ah, mais moi. Ah, c'est parce que je suis pas allé à la boutique. Hop! C'est qui a mangé la fureur du torrent? Ah, c'est moi maintenant, j'ai ça là, vous êtes deg! Vous êtes deg! Ah, mais ouais, c'est toi qui balance ton jus pourri là! Ouais! Bah. Acid Sludge! On nous demande sur le chat comment fait-on pour regagner de la vitae? Bah, la vitae c'est l'XP en fait.
Alors, sauf que c'est l'XP que tu gagnes en tant que monstre. Dans ce cas-là, je pense que la question c'était comment fait-on pour regagner la vie. Ah, la vie, bah il y a des potions de vie. Il y a des potions de vie. Que t'achètes. Non, et sinon j'en ai déjà chopé aussi. Parfois dans les salles, il y en a au sol. Et parfois j'ai vu ma santé en tant que héros remonter après avoir buté un spell. Oui, alors ça c'était pas là avant et je soupçonne que en effet quand tu tues des monstres, tu dois pouvoir regagner des. Et donc on nous dit sur le chat qu'il y a moyen de jouer à un joueur à la souris, deux sur un clavier et un à la manette. Ah bah ça va alors. Ça doit être possible. Et c'est une affirmation, c'est une question. C'est bizarre. C'est manifestement quelqu'un, c'est Biosoap qui a vérifié et qui est manifestement, il y en a qui ont essayé et ils n'ont pas eu de problème. Bien c'est assez étrange comme idée. Toi t'aimes pas les choses bizarres. Ouais, j'aime pas trop les trucs. Oh oui, j'ai des adders. Là c'est le bordel. Un bisou. Il va se passer des choses là. Oh, ouais, là tu rigoles plus là. Ah mais il combotte comme un ouf. En revanche il a un cooldown d'environ 8 heures. Ah oui bah ça... Ah oui c'est Star Citizen le puissant, puissant, c'est vrai. Bim. Oh là là, les mains de l'angoisse hein. Regarde-moi ça là. Ah mon bisou qui s'est arrêté là. Bisous. En fait Dessader c'est un gros con aussi. Ah voilà. Ah évidemment le mec se la raconte là. La vitae, est-ce que c'est les patates qu'on ramasse? Non, non, les patates c'est pour faire ça. Ça c'est les bouboules. Ouais. Les bouboules et les patates, c'est pas pareil. Non mais il y a un vocabulaire qui est très clair. Ah, bienvenue à l'hôpital psychiatrique de GameCube. Bienvenue chez GameCube. Les bouboules c'est pas les patates. Non mais bon tu vois, il faut être... Attention. Bah non. Ah bah non, j'ai une... Il faut être clair dans les termes. Mais c'est encore toi qui joues la goteuse. Mais bien sûr, tu sais pourquoi? Parce que le jeu a décidé que t'étais une grosse quiche. Parce que je suis surpuissant. Une wish. Un détour pour jarter un mec qui visiblement a passé une très mauvaise journée. Et donc nous invitons notre ami TurboGrafx à aller voir ailleurs si nous y sommes. Ah. Et Anthony demande quand est-ce que je gagne. Eh bien écoute Anthony, j'aimerais bien. Des bisous. A plus. Salut. Hop. Visiblement, le modo avait décidé de ne pas nous aider. Bravo les modos. Alors là mec, j'ai 62 points de vitae. Je pense que la transformation en Cthulhu. Cthulhu bleu ou Cthulhu vert? Moi je suis plutôt, j'aime beaucoup le vert et je trouve que ça se va assez bien au teint. Bim! Pendant ce temps-là, je deviens Jean-Louis Minotaure. J'ai atteint le niveau max. Ah ouais, Jean-Louis Minotaure. Jean-Louis Minotaure. Oui. Alors, sachant que. T'es Jean-Louis Minotaure avec un arc là. Histoire tu peux être Jean-Louis Minotaure avec une hache. Ouais, j'ai celui avec la hache, il est plutôt cool. Il est cool, mais je vais parler de trucs sérieux pendant deux secondes. Si vous avez des réclamations, des desiderata, des complaintes à faire, vous avez le magnifique sujet suggestion Game Cult. Vous pourrez effectivement vous plaindre. De nous dire que ça va pas ou on sait pas quoi. Évacuez vos petites tensions là-dessus. Voilà, c'est ça. Sur le chat pendant un live. Ou des idées ou des. Aucun intérêt. Oui, oui, enfin, on est limite plus preneur d'idées. Ouais. Hein, donc voilà, là, l'espèce de machin violet moche. C'est quoi ça? Bam! Et ben, t'es parti avant de prendre la potion de vie qui était par terre, tu es un peu bête. Oh, comment j'ai trop le seum, comme disent les jeunes! Non, plus personne dit ça. Tu le dis en fait. Ouais, je sais. Alors. Est-ce qu'il y a une Oh là, il y en a une grosse là, elle a l'air de faire mal. Alors c'est un peu... C'est le milieu. Ouh, Estoc. Estoc là. Non, Master Zero Blade. Non, c'est pas parce qu'il y a écrit Master que c'est... Mais si, regarde, vas-y, fais des combos là, montre-nous. Toi, tu sais pas. Floating Beam. Tribal Shield. Non. Ah, c'est comme Tribal King. Oh là là. Non, mais tu vois, vu qu'on sait pas faire des roulades, à la rigueur, la remplacer par autre chose. Mais je totalement sais stupide. Je sais faire les roulades. C'est B pour les roulades. Oui, mais c'est pas la question d'appuyer sur B. Allez, moi je tente le shield. Ok, c'est Tipa, Oscar. C'est Tipa, Oscar. Ouais, bah voilà, tu sais. Moi je suis avec ce que j'ai. Y'a pas un piège ou non, je me suis bien fait carotte sur les spawns encore. Tu slack une seconde là, les mecs. Tu t'es fait carotte sur les spawns, mais tu peux essayer de devenir une. Tu te transformes un peu la frire, non? Comme ça, non? C'est qui le mage? Ouais, moi. Il lui téléporte. Ah, il rigole pas lui. Ouais, bon, il est pas ultra puissant, mais c'est drôle. Ah ah! Je l'ai pas vu. Ah, t'étais bien forcé par mon bouclier! Ah, ouais, en fait, le problème c'est que le bouclier m'emmerde autant que toi! Le pose devant moi et après je suis bloqué! Mais c'est mon bouclier ça! C'est le coup secondaire de mon. Pourquoi je suis tout vert? Ah, mais on a le même bouclier, putain, ouais. On est copains de bouclier! C'est beau! Cette bataille fratricide! Ah ah! Pareil, l'angle du tir des blobs c'est pas forcément. Non, ouais, non. Sachant qu'ils ont un espèce de. Ils ont ah oui, non, mais bon, faut gérer le blob! Ils ont environ 58 frames de préparation du tir!
Et il y a du recul en plus, à chaque fois que tu tires. En même temps, c'est des blobs. Il y a du recul. Oui, bah, c'est des blobs, c'est des blobs. Est-ce que je vais récupérer le cul? Ah, là, du coup, je suis un peu dégoûté de ne plus avoir ma roulade quand vous commencez à venir par terre. C'est un master blade, il s'est fait un peu. Ah non, pas le mommy tour. Voilà. Ah ouais, c'est génial, le voilà. Ah, j'ai le droit de jouer, enfin. Avec mon cure-dent qui me sert d'effet et qui est niveau 2. Bonjour aux gens qui arrivent. Nous jouons à Crawl. Et on est particulièrement joué. Ouais. Effectivement à plusieurs. Alors pour l'instant c'est uniquement du multilocal pour prévenir les futures questions. Mais c'est très cool. Ça peut rentrer dans la bibliothèque des trucs en local pour une petite soirée. Là j'ai 200 balles. Sachant qu'il est prévu du multi. Ouh là, j'ai plein de cul. Online pour le plus tard. Ah là, la grosse épée, on va moins faire les malins quand j'ai. Ouh, attends, ça 145 là, magique. Mais l'autre, elle perd vachement de vitesse. Vaut mieux la Magic Sword. Ouais. Ouais, moins 2 en speed, faut être sûr de ton coup. Hein. Et en plus, il y a le Sunray. Je prends la magique. Ouh. Advance Dodge Roll. C'est la super roulade, mec. Ah, vas-y, je prends la super roulade. Ouais, mais... voilà. La roulade qu'on appelle plus communément dans le jargon la Yamato. La Yamato. Et là, ça sera une spéciale pour Yamato. Vous avez déjà carotte tous les trucs de vie. Ah, est-ce qu'il y a un dépucelage prévu pour Stoon et Exerve sur le maillon faible? Ah, alors là il va falloir. Alors il y a un dépucelage de plus calme plus tard. Moi j'ai. Est-ce qu'il me fait un mais peu. Mais t'es totalement pas niveau 10, mon cher. C'est peut-être faire une crise d'angoisse avec le manque de Trunks pendant un maillon faible. On va pas se mentir. Qui jouera le traître? Il répondait bien aux questions. Mais qui jouera le traître? Qui jouera le Judas? Ouh, elle est magique cette épée. Où suis-je? Où suis-je? Qui suis-je? Ah! Pourquoi on m'empêche de faire du jus? Mais j'ai 2 points de vie en fait. Hein. Non mais c'est la méga carotte quoi, vous êtes surévolué et moi je récupère mon perso. Ah mais regarde comme il boude là. Mais allez, oh là là, deg. Mais je vous enchaîne quand même. Putain, on dirait que t'es en train de la putie sur PC. Bande de l'eau, je suis déjà niveau 8 là, bim. T'as un seul seul. C'est clair. Niveau 9, hop, voilà. C'est moche hein, c'est moche. Plus, hein. C'est moche ce qu'on entend là. C'est très moche. Avec vos petits blobs là. Voilà. Et après, c'est moi qu'on appelle Dexerf, quoi. Sérieux? Ouais, mais avec toi, ça marche bien. Mais c'est parce que le jeu de mots, il est cool, ça me fait marrer. C'est con qu'on puisse pas précéder le héros dans la prochaine pièce. Ouais. En même temps, si c'était le cas, le héros ne gagnerait jamais. C'est également con que les fantômes n'aient pas le look des oncles de Casper. Mais après, moi, c'est. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oh, mais mec. Non, mais tu vois, il y a encore des points d'amélioration. Mais je peux même remonter. Oh putain! J'ai pris 5 niveaux. J'ai pas un truc, là. Fais bisous. Ah, bisous. Qui fait ça? Oh là là. Mais c'est fini, oui. D'accord, alors ouais. Ah bah non, mais... Oh là là. Je suis quand même un peu emmerdé par ces longues préparations d'attaque qui t'empêchent un petit peu de savoir ce que tu vas faire et dans quelle trajectoire tu vas le faire. Ouais, c'est un peu de l'abandon. Bouah. Oh. Boubou. C'est pas gentil, ça. Là, je suis fichu. Oh là, non! T'es marron! Ah non, il est bleu! Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi tu vas dans le. Sérieusement parlant, vous en pensez quoi? Mais je crois qu'on est tous un peu fanas de pixels, donc c'est vrai qu'on s'en fiche en fait. Il y a des textures de ouf! J'irais pas jusqu'à dire qu'on est fanas de pixels, mais on est peut-être moins dérangé que d'autres personnes par le truc. Non, mais c'est juste que là, la DA, elle est vraiment. En fait, moi, tant que c'est lisible à l'écran, je m'en sors pas. Exactement. Ça correspond bien au type de jeu. Il y a des cools animes, les décors sont. C'est propre, c'est bien animé. Voilà, c'est propre. Oh, mais. Ah, j'étais bien. Et la DA, elle est relou! C'est quoi le truc qui vole? C'est à moi! C'est sa chaise. Normal. On nous dit. C'est vrai qu'on nous dit que c'est du pixel artisanal, ça sent l'amour du cube. Non, ça sent l'amour du carré. C'est vrai. Sinon, ce serait du voxel artisanal. Ah. Ouf. On manque de voxel, je trouve. Toujours. Ah, bah voilà, là. Oh, comment je vais voir un dragon. Allez, donnez-moi un gros truc là. Moi j'ai toujours mon. Parce que c'est. Coucou. J'ai un zombie. Coucou. On va prendre une seconde, puisque Dark Ubi nous en fait la demande et je trouve ça assez bien de le faire. Pour rappeler l'existence d'un tout nouveau site qui s'appelle gkasteam.community qui permettra surpuissant qui permettra au vivement qu'on est le même au cube exactement mais tellement mieux que l'origine pour rappeler que les joueurs que les culteurs s'y retrouvent pour préparer des parties endiablées sur un certain nombre de jeux
Et que donc, le site a été fait par le groupe. Hein. Et le site a été fait par la communauté. Ouais. Sachant qu'on les mettra à l'honneur dans une news dans la soirée, parce que ouais. comme nous, on n'a pas de vidéo potable digne de ce nom sur Evolve. Et puis bah, comme ça, ça nous fait au moins un joli site à montrer. Même non, si c'est oui, l'heure, mais ça vaut le coup en plus. Un site qui n'a pas d'erreur sans ça. Et un forum qui fonctionne. Ah, tu peux faire évoluer ta petite fille qui fait peur. Ah, qui devient alors la mamie qui transforme, fait peur. Non, qui transforme en grenouille. Oh, je la veux. C'est avec le B. Hein, non, je veux pas la mamie. J'ai pas dit que je voulais la mamie comme ça. Allez. La malédiction de Patterson. Oh là là, c'est ensemble. C'est bien ce petit numéro de... Tu l'as, là. Et moi, je suis toujours le mec tout seul qui a pas trouvé de pentacle. Eh les copains, les copains. Je peux jouer avec vous. En haut à droite, hein. Le bouton rouge. Oh, il était caché, il était caché. Et lui, il se tape son super. Elle est super haute cette épée, en fait. Bien fait. Bim. C'était moi le numéro. Ah, c'est toi qui l'as vu bien joué. Je me suis fait rincer. Alors là, on va rincer nos choses. Moi, je mets des alkyls dans les murs. Moi, je mets des bouboules. Ah ouais, genre le bouclier ça bloque aussi ma charge. Bah c'est un bouclier. Quoi non mais attends, c'est un bouclier avec un smiley dessus. C'est le bouclier du héros d'Hyrule. Hop, allez ça c'est, sortez-moi ça c'est là. C'est le bouclier Kokiri. Ah mais bah, ça va. C'est vrai que c'est plutôt le bouclier Kokiri. Bon après c'est bon, pas se faire engueuler. Par les haines sexuelles. Par les hautes instances. Ils sont pas là de toute façon. De la haine sexualité. C'est bien, ils sont partis. Oh non, c'est un jeu dont on peut parler. Je parle des lecteurs. Ah bah voilà. J'ai tellement envie de tester le. Oh le dragon! Oh la violence! Ah ouais, non, le dragon était mal. Vache! Bah, c'est un dragon quoi! Le dragon, c'est un peu le Kraken dans Evolve, tu vois. C'est un peu le perso. Ouais, je peux faire apparaître des zombies! Tiens, d'ailleurs, le chat, si vous avez joué à Evolve, qu'est-ce que vous pensez du Kraken? Si vous avez joué, ouais, excellente question. N'hésitez pas à envoyer, à blinder le forum de cliquer et à leur envoyer plein de mails en leur disant que. Qu'il est un petit peu. Il est complètement fumé. Bon, bah, ça a été rapide pour moi. Tout comme mon dragon. Tout comme ton dragon. Le plus mixé pour BD en pixel art sur GK, il y aurait moyen. Je crois que j'ai pas compris. Non, il voudrait savoir si on pourrait avoir des strips, des trucs comme ça. C'est pas au courant pour l'instant. Non, effectivement. Je suis. Ah oui. Eh les copains, je peux jouer avec vous. Avec ton épée de problème. Hop. Je suis un peu dans la panade. Je me suis fait tuer par la chaise volante. La chaise de grande qualité. La chaise de Jean Frémy d'horreur de la bataille. Oh. Alors, on citera simplement une réponse. Kraken, le Kraken, le survivant. C'est un putain, virgule, de FDP de sa race. Voilà. Bon. Bon. Dark Ubi, 2014. Voilà. Kraken, le survivant, c'est pas mal aussi. Ok, d'accord, ça commence bien. Et vous, boule. Hop là, un petit blob là. Ah mais c'est parti pour le boost. Ouais, bah je vais me faire. C'est toujours le même boss. Regarde, je danse en bas. C'est, il y a qu'un seul boss pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Il est tellement cool ce boss. Ouais, ouais. Non mais il est trop. Il me rappelle Krang. Il me rappelle un mélange. Mais il rappelle entre, tellement politiquement. Krang. Entre non entre les tentacules de Dio the Tentacle et Onimu. Non. Et Onimu. C'est vrai qu'il y a un côté Onimu. Mais regardez, ah comment ça fait de la lèche. Oh patron. L'ancienneté qui arrive. Je rêve. Il est fou. Merde. Il était bien cette espèce de The Last Guardian alors ou. Ouais, c'est cool. Ouf. Ouais, bon, merde. C'est toujours repoussé à décembre. Ouais, on va pas revenir. Oh yes, j'ai oui, en fait. Oh là là. Regarde, oh, mais c'est quoi ce rayon là? C'est le jeu indé random numéro 97. C'est dégueulasse. T'as qu'à nous sortir des oui. trucs incroyables. Mon perso il est dégueulasse. Regarde ce qu'il fait, regarde. Ouais, ouais. Je fais quoi? Je suis un exhibitionniste quoi. Voilà. Non mais c'est vraiment, vrai regarde. Ça. Tiens, bam, tiens. Oui, oui, mais tu montres rien du tout. Tu n'as pas genre 7 ans ce jeu? Oh, s'il te plaît. Graphiquement il est en avant, mais. Non, il est sorti un tout petit peu. Enfin, il est tombé en early access juste avant la Gamescom. Ben oui, mais il fallait qu'on rattrape. Il y a eu une grosse mage. Il fallait qu'on rattrape quelques injustices commises sur les voilà. Je trouve qu'on demande le chat. Le chat en raffole. Le chat est fan. Hein. Le chat demande un autre GK Live spécial Call of Duty. Call of Duty. Demande un GK Live aussi, le maillon faible. Ouais. Il veut un GK Live d'excuses pour un bon jeu de Kevin. Il y a beaucoup de Kevin qui se sont plaints hier. J'ai pas prévu la blague. La ligue de Kevin. La ligue française de Kevin. Le lobby des Kevin s'est réveillé.
on propose un petit Violent tour, Magic un petit tour Spear. Sur la page Wikipédia de Kevin Spacey. Vous pourrez voir une photo qui est celle qui est sur la home de GK. Et ensuite vous pourrez connecter les points. La super violence. Incarnation. Je vais récupérer mon cul. Ah, je peux rien. Mais elle est ultra violente cette équipe. Ah bah oui. Ouah, ça combote. Là on commence à avoir des petits monstres pas piquer des hannetons. Oh les expressions de Caro. Pas piquer des hannetons. Caro nous revient tout juste de 1987. Fichtre. Elle nous a d'ailleurs envoyé une carte postale. Elle nous a envoyé un télégramme. Elle nous a envoyé un télégramme, Caro. Alors que William est aussi présent. Un homme de l'ombre. Il n'existe pas. Ah, c'est moi qui joue pour une fois. Cool. Bah c'est bien, on va te défoncer plus vite alors. Bah non, parce que j'ai le super dash, mec. Tu sais que j'ai de la maillot, par contre. C'est moi. On pourrait parler du vrai jeu vidéo. Ouais, ouais, Caro. Oh là 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 là. La pose dash, c'est gentil. J'ai hâte de voir le prochain shooter militaire. Sachant que là on est à une petite heure déjà, donc on va terminer. Ah bah faut qu'on fasse trois portails pour avoir la fin quand même. Ah, ah bah ouais alors. D'accord. On a le résultat du match à trois portails. On est tenu par la convention de Genève. Va juste finir une partie quoi. Putain, on a même pas eu le temps de te piéger quoi. Ah, là il y a du blob. C'est vrai que c'est des petits blobs comme ça ridicules qui vont m'arrêter dans. Ouais, y'a pas d'intérêt d'incarnation là, c'est chiant. Les copains. En plus vous avez utilisé tous les portails pour aller au magasin, vraiment des vieilles petites fractures. Non là c'est parce qu'il y a des monstres. Putain qu'est-ce que tu peux chouiner, ah, c'est pas clair, possible. C'est pas possible hein. C'est toute la journée comme ça hein. Ça va te servir à rien de le magasin. Bon est-ce qu'il y a une calache là. Alors les stocks... Rogue et stock. Mm-hmm. Un GK Live No One Lives Forever, mais oui, mais bien sûr. Ainsi qu'un GK Live. Arnaque, ce magasin, ouais. Enfin, ainsi qu'un GK Play Project IG. Bah, je sais pas, mais je sais que tant que tu speed pas, nous on ramasse les pattes, attends. Je suis sérieux. Mais oui, non, mais je sais que t'es sérieux. Project IG, carrément. Et on peut même se faire une LAN sur le 2. Aha. Stoon, est-ce que ça te dirait qu'on joue à Shogo Mobile Armor Division? Oh là là, ça, je veux bien y jouer avec vous. Pouffe pas, Caro, oh c'est un excellent jeu, Shogo. Pas de dragon. Avec un nom de merde, certes. Non, tu crois que je vais me laisser faire? Ouais, il sait pas. J'ai tellement de faire du feu là! J'ai tellement de verrouiller avec ma super épée, tiens! Ouais, ouais t'as plus beaucoup de vie, alors faut pas que mais c'est peut-être pas moi! Ah, si, c'est moi! Je vais tellement te dérouiller avec ma super épée. Je vais te rosser. Je vais te rosser. Employer des termes. Lapinou! Lapinou se fait rosser. Si vous avez cette référence, vous parlez. Oh là là, mais il peut pas viser ce Vim. Ok. Bah, ça c'est le genre de jeu en solo, l'intérêt est très limité. Bah c'est à dire que y a plus juste voilà. Tu peux jouer avec des bots mais il joue trop vite, moi je tousse. Il joue trop vite, ça me fait tousser. C'est horrible. Faut pas respirer la compote par le nez, ça fait tousser. Exactement. Non, Evolve! Explique quand même, Caro, pourquoi ça te fait tousser. Parce qu'ils vont trop vite! Non, mais parce ça que. Ça me stresse, tu vois. Voilà, que le chat comprenne que quand tu stresses, tu tousses. Quand je suis trop stressé, ça va trop vite et qu'il n'y a pas de pause, je tousse. C'est ta version du quand je suis heureuse, je vomis. Ça fait ça. Je suis content, je vomis. Mais quand je suis stressé, je tousse. Toi aussi, tu prends le. Trouve pas qu'on dirait un paresseux. Un paresseux zombie. Effectivement, effectivement, oui. Et qui a une espèce de grosse moumoute dorsale. Note que tu te tiens un petit peu comme ça sur ta chaise, j'ai remarqué. Oui. Allez! C'est parti? Ouais. Ready. Ah! Oh, ah, je vous ai. Ah non, c'est pas moi. Un GK Live, bienvenue sur les ch'tis de prévu. Non! Ah ouais, bienvenue chez les ch'tis. Mais y en avait pas eu un GK Live, bienvenue chez les ch'tis. Sérieux? Si, de mais c'était pour Noël en fait, on teste des jeux pour. Il me semble qu'on attend le DLC Café Maroual pour se prononcer. Oh là là. Le DLC Nino. Allez hop, comme ça, on finit la partie. Le DLC Nino. Pas d'ailleurs. Je vais me faire défoncer. Non, mais ils vont me faire défoncer. Je vais te faire un gros je vais me faire ruiner. Final Struggle. Mais qui fait des. Non mais. C'est moi. Des blobs dans la salle de boss. Le vert, tu peux danser pendant la cinématique. Ouais.
Place your hand in the... C'est tellement cool. Yes, j'ai récupéré le gros bonus. Oh mais c'est... on dirait que tu te fais dérouiller. Ah là tu te fais tellement dérouiller. Oh là là, ce travail d'équipe. Oh là là, mais la bulle là. Oh, t'es dans la bulle. Non. I'm afraid you're in my legend. C'est ça. I'm in my legend. Bam. Ah bah oui, c'est sûr que... Ah oui, bah oui. Humanity stolen. Nickel. Et donc après, ça se joue au nombre de points pour les trois autres. Kurok, Kurok, Zonicht. D'accord. On fera doubleur avec Gotos plus tard. C'est la cata. Tu as tout perdu. Et Xerve est premier. Il est... C'est vrai? Bah non, oui, tu vois. Cool. Bah tu vois, typiquement, ce plan du podium, il a beau être en très basse définition, je le trouve très classe. Je pense que la position. Et en plus, Caro est dernière, donc c'est... C'est encore mieux. C'est encore mieux. Notez que c'est elle qui connaît mieux le jeu. Hein, donc je suis lost forever. Ah, donc il y a des unlocks. D'accord. Oui, il y a des unlocks. Très bien. Et donc, c'est des trucs que tu trouves ensuite chez le marchand. Oui. Ou ça peut être un dieu aussi. Le coup-gorge. Et alors, pourquoi c'est des data errors? Tu sais l'histoire derrière les espèces de glitch graphiques et les trucs comme ça? Je pense que c'est Kurok. C'est, ah, c'est Kurok qui a envahi ton PC. Kurok serait un petit peu un démon de l'informatique, comme dans le troisième épisode de Buffy contre les vampires. Ouf. Peut-être un peu. Kurok, ça fait un peu penser à Kurok. Un petit mot de la fin. On va laisser nos amis. Je pense que comme mot de la fin, Kurok, ça fait un peu penser. Généralement, le petit mot de la fin, on dit mot. Mais. Oui, pour les infos basiques. C'est toujours en Early Access, normalement ça sort début 2015 et ça coûte 9,99€. C'est dispo sur Steam et sur Humble. Bundle. Et voilà. Bundle Store. Non, c'est pas Bundle. Oui, c'est Humble Store. Ou Widget sur le site des devs normalement. Donc voilà. Très bien. Et c'est rigolo à plusieurs. C'est vrai que c'est très rigolo. C'est vrai que c'est cool. Non, vraiment, si vous avez et pour l'instant c'est tester, que du local, mais après ce sera en multi, donc plus d'excuses, j'ai pas de copains, ils ont pas de manette. Mais tu peux ne pas avoir copains, et là on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, tu vas sur le groupe Gamecube Steam. C'est vrai. Et tu as des copains. Et tu as des copains. Oh là là. T'étais publicitaire toi avant, non? Oui. Ah ouais, on l'a recruté au marketing en fait. Je trouve ça beau. Qui vidait les poubelles au marché. Qui vidait les bouteilles. Qui vidait les bouteilles au marché. Bah merci en tout cas d'être venu nous suivre pour ce j'ai qu'appelé improvisé, l'ancienneté nous appelle. C'est ça. Ils sont de retour de leur visite de l'hospice. Et la récré est finie. Et donc on se retrouve à 18h. Alors je sais pas, 18h c'est quoi? C'est encore de la coop? Oui. Ouais. Il y aura du. De la coop et de la baston. Il va y avoir du Lethal League. Et du Blaze Rush. Et on va. Peut-être juste faire un petit appel pour ceux que ça pourrait intéresser. Lethal League est le mélange d'une partie de baseball et d'un combat de DBZ, plus ou moins. Donc, si, c'est ça. C'est assez compliqué. Et Blaze Rush est un équivalent un petit peu de Micro Machine et ou Mashed et ou Rekt, avec des tanks et des Overcraft et des trucs un peu rigolos comme ça, et des gros missiles et des explosifs. Voilà. Mais tu connais tout, toi. Il est bon. C'est surpuissant. Et voilà. Merci à tous. Là. Merci à tous. À très bientôt. Ciao. À plus. Salut.